Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes le 2 avril, comme vous pouvez voir l'heure, il est 1h44. Voilà. Donc être confiné, c'est bien sans être bien, puisqu'au bout d'un moment, on commence à se faire chier. Voilà. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo pour vous expliquer comment monter une radio. Parce que bon, je l'ai fait il y a très 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 longtemps de ça, avec VLC. Donc j'avais fait une radio fait maison. Donc ça fonctionne très bien, sachez que vous pouvez le faire avec VLC, ça fonctionne très bien. Après, ben, vous avez d'autres sites, hein, il n'y a pas de souci. Vous avez Radionomie, mais depuis quelques temps, Radionomie a été racheté et c'est un peu le bazar pour le paramétrer. Donc je vais vous faire montrer un site internet qui est très bien, voilà, qui s'appelle Radio King. Donc vous avez l'adresse juste en haut, radioking.com. Et en fait, vous pouvez le tester gratuitement pendant 7 jours. Il suffit simplement de cliquer ici. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez tomber sur cette page-là. Et vous aurez juste à mettre votre nom, votre mail, votre... Non, vous faites inscrire. Voilà. Vous faites s'inscrire. Et donc, comme je le disais, il suffit simplement de marquer votre nom, adresse, machin, voilà. Et puis mettre le nom de votre radio. Et voilà. Et donc, sachez que pour les tarifs, saute ici. Vous pouvez commencer avec le Star à 19€ par mois, en sachant que vous avez une semaine gratuite. Et donc, ça vous donne 20 000 heures d'écoute mensuelle. Personnellement, moi, j'ai pris cette formule-là. Et avec 20 000 heures, en faisant tourner jour et nuit, j'en ai largement assez. En sachant qu'à partir du 5 là, de ce mois-ci, la radio sera éteinte parce que j'ai arrêté de payer, puisque bon, je m'en occupe plus. Donc, du coup, voilà. Voilà, donc vous avez 20 000 heures d'écoute mensuelle. Vous avez 5 gigas d'espace disque. Du coup, de la musique, vous pouvez en mettre. Auditeur, c'est illimité. Et flux d'écoute, c'est en 128 kbps. Voilà. Après, vous avez cette formule-là à 39€ pro. Voilà, donc où vous avez 150 000 heures, vous avez 10 gigas, illimité, toujours pareil, flux supplémentaire, optimisé mobile, machin, HD, dédicace audio. Voilà, donc cette formule-là, vous l'avez, que sur celui-ci, vous n'avez pas les dédicaces, ça sera à vous de faire vous-même vos dédicaces audio, c'est pas dur à faire, hein. Il y a des tutos. Bon, moi, ayant travaillé dans plusieurs radios dans le passé, donc j'en ai fait quelques-unes. Rapport d'audience hebdomadaire. Et après, vous avez le business. Voilà. Donc là, c'est carrément pour les personnes qui sont équipées chez eux. Parce que sachez que vous pouvez totalement mettre une table de mixage, d'autres systèmes pour brancher les micros dessus. Voilà, pour vous mettre dans un local et vraiment faire radio professionnelle. Mais bon, c'est pas le même budget, en sachant que il est quand même à 79€ par mois. Et là, vous avez 500 000 heures. Donc, vous avez de quoi faire. Vous avez 20 gigas de stockage. Auditeur illimité. Flux supplémentaire, d'un supplémentaire. HD+, ici. Voilà. Dédicace audio. Rapport d'audience hebdomadaire. Et application Android Star incluse. Voilà. Une fois que vous avez choisi votre formule, sachez que vous cliquez dessus, vous commandez. Donc vous pouvez payer par PayPal. Donc ça sera prélevé chaque mois, ça sera prélevé. À tout moment, vous pouvez annuler votre abonnement. Donc dans la semaine gratuite, vous n'êtes pas obligé de payer de suite. Hein, vous pouvez vous pouvez commencer pour une semaine avant de commander. Donc pendant une semaine, vous testez pour vous habituer à toutes les manips qu'il y a à faire dessus. Parce que sachez qu'au début, c'est pas évident, même s'il y a des vidéos qui expliquent, mais bon, c'est mal expliqué, je trouve. Mais pendant la semaine, vous pouvez créer votre radio, puis mettre de la musique. Et voilà. Donc par contre, choisissez bien votre nom de radio, parce qu'une fois que c'est mis en place, vous pouvez plus le modifier. Voilà. Donc sachez que une fois que vous avez monté votre radio, c'est instantané, ça se fait dans les secondes qui suivent, et de suite après, votre radio est en ligne. Voilà. Mais après, une fois que vous faites commander, tous les mois, ils vont vous prélever cette somme-là, c'est-à-dire 19€ par mois.
Mais après, à vous de voir si vous voulez mettre votre musique jour et nuit, ou simplement à certaines heures le matin, certaines heures l'après-midi, ou arrêter la radio à telle heure, par exemple à minuit, et puis le redémarrer le matin. Donc ça à vous, parce qu'en fait vous pouvez tout programmer, et ou bien vous pouvez aussi mettre en pause votre radio. Voilà, comme ça moi ça vous permet de ne pas consommer au niveau des heures en fait. Voilà. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez tomber dessus. Donc ça s'appelle le tableau de bord. Voilà. Donc notre radio s'appelait, s'appelle toujours, puisque est toujours en ligne, mais d'ici quelques jours, ça sera fini au final. Hein, qui s'appelle Radio Club des Anges. Voilà. Et là, vous avez le tableau de bord. Voilà. Donc ici, vous avez 0%, vous avez 41,1% d'utilisé sur les gigas. Voilà. Par la suite, vous avez les musiques ici. Sachez que toutes les musiques qui sont ici, vous pouvez les avoir personnellement et les injecter dessus. Tout ce qui est droit de SACEM, machin, c'est eux qui s'en occupent. Vous avez simplement à mettre les musiques dessus et eux s'occupent avec l'argent apparemment que vous donnez. Cela permet apparemment de payer à SACEM et des droits d'auteur, ainsi de suite. Voilà, donc là vous avez le tableau de bord. Sachez que les musiques sont en MP3 ici. Par la suite, vous avez le Mediatek. Voilà, qui est là. Donc ça, c'est toutes les musiques que j'ai mis. Des années 80, remixées, machin. Voilà. Là, vous avez habillage audio. Ici. Bon, il n'y en a pas. Sachez que là, vous avez la possibilité de faire des programmes. Donc, vous avez la chronique. Donc, vous pouvez faire, par exemple, chaque matin, vous pouvez gérer certaines plages. Et vous pouvez mettre, par exemple, astuces du jour, buzz du jour, carton rouge du jour, horoscope, ensuite du jour, journal, machin, patati patata. Voilà. Dédicace. Là, je peux pas le faire parce que j'ai la formule basique. Du coup, je peux pas le faire ici. Par contre, si vous prenez la formule pro, bah, vous pourrez le faire. Mais autrement, tout ce qui est dédicace audio, moi, je l'ai préparé à l'avance. Et même les jingles, pareil, les jingles, c'est très facile à faire. Il y a des tutos qui expliquent très bien sur YouTube. Et vous pouvez le monter vous-même et ça marche très bien. Voilà. Là, vous avez les podcasts. Donc, vous pouvez en mettre. Par exemple, si vous faites des interviews. Ici, vous avez planification. Voilà. Comment ça marche ? Bah, c'est pas dur en fait. Hein. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est qu'il faut aller. Attendez, je vais ici. Il suffit simplement de cliquer ici. Voilà. Donc, vous donnez un titre. Donc, je recommence. Hein. Vous cliquez ici, là. La liste de lecture. Vous faites un plus. Vous marquez matinale. Voilà. Matinale. Voilà. Là, vous mettez une couleur, hein, peu importe laquelle. Donc, on va mettre celui-ci. Vous faites enregistrer. Voilà, donc ça s'affiche ici, et automatiquement, ça va s'actualiser, et cela, ça va vous permettre de préparer vos émissions le matin, ou bien toute la semaine en fait. Voilà, donc il suffit simplement de rajouter des titres, voilà. Donc, toutes les musiques que vous avez injectées auparavant dans la médiathèque, il suffira simplement, par exemple, de choisir ici. Donc, je vais mettre une musique, par exemple. Voilà, je mets ici. Donc, lorsque vous arrivez ici, il suffit simplement de prendre une musique et de le mettre ici. Là, je ne peux pas le faire. Pourquoi ? Parce que la radio est en ligne. Et lorsque la radio est en ligne, vous ne pouvez pas préparer votre émission à l'avance. Donc, vous êtes obligé d'arrêter votre radio. Par exemple, si vous faites marcher votre radio jusqu'à minuit. Une fois que vous arrêtez votre radio, donc elle est éteinte, là vous pouvez balancer cette musique ici, autant de musique que vous voulez, et lorsque vous descendez vers le bas, voilà, vous avez toutes les choses que vous pouvez injecter en plus, genre les informations,
l'horoscope, les flash infos, l'insolite, le journal, du sport, ainsi de suite, programme télévision, machin, et donc vous faites votre programme, hop, une fois que c'est fait, hop, donc une fois que c'est fait, bah, vous laissez comme ça en fait, voilà, et une fois que c'est fait, vous partez dans planification, voilà, donc ça va s'afficher ici, voilà, et ce que vous faites, c'est que vous faites un planning, voilà, vous cliquez dessus, ici, là, planning, et vous prenez votre matinale, vous choisissez la plage horaire où vous voulez le mettre, donc on va choisir par exemple, hop, on va couper ça, vous choisissez par exemple à partir de, je sais pas, j'ai dit une bêtise, à partir de 7h du matin, donc vous prenez 7h du matin, vous le mettez ici, hop, voilà, et vous pouvez choisir l'heure, par exemple jusqu'à, hop, vous arrivez ici, et vous allez jusqu'à, par exemple, jusqu'à minuit, disons, voilà. Partez jusqu'à minuit, si vous arrêtez votre, si vous commencez votre radio jusqu'à 7h du matin, jusqu'à minuit, vous coulissez jusqu'en bas, jusqu'à minuit, voilà. Et ce que vous pouvez faire par la suite, c'est que vous pouvez faire éditer, vous pouvez faire répéter, là c'est marqué jamais, et vous pouvez choisir tous les jours, toutes les semaines, ou toutes les deux semaines, voilà. Donc si vous faites toutes les semaines, ça fera toutes les semaines du mois. Et le mois d'après, il faudra refaire le planning. Voilà. Et évidemment, vous pouvez totalement le supprimer. Voilà. Génération quotidienne, voilà exactement ce qui passe à la radio ici actuellement. Voilà, donc c'est en lecture. Donc par la suite, vous aurez ça après. Voilà. Après, vous avez les statistiques. Voilà, donc ça vous dit exactement les personnes qui sont connectées sur votre radio. Voilà, donc c'est Google Maps. Hein. Là, vous avez le général. Là, vous avez musique, auditeur, historique. Voilà, là, vous avez le direct. Donc, sachez que vous pouvez télécharger l'application qui vous propose ici. Donc vous pouvez choisir pour Windows ou bien pour Mac, ici là. Et donc je vous ferai montrer comment ça fonctionne après. Là, animateur. Donc l'animateur, c'est moi, DashDay. Voilà, mon prénom et mon nom de famille que je vais flouter. Voilà, donc je suis administrateur. Mais vous pouvez rajouter un animateur supplémentaire. Ici, vous avez les widgets. Les widgets, ça vous permet... Si vous voulez créer un site internet, de le partager, voilà. Donc là vous avez le lien par défaut, là vous avez le lien iTunes, le lien Media Player, Winamp, Real Player, QuickTime, voilà. Et ça vous pouvez l'intégrer sur un site internet, ça fonctionne super bien. Ici vous avez les lecteurs, donc vous pouvez créer un lecteur. Donc vous pouvez faire le lecteur automatique, pareil, pour l'injecter sur votre site. Voilà. Donc vous choisissez la couleur, machin, donc vous avez de quoi faire. Et là vous faites générer le code, vous récupérez le code. Vous avez le player Facebook. Voilà. Donc vous pouvez faire un player Facebook. Personnellement, je ne l'ai pas fait. Ici, vous avez les dédicaces. Donc effectivement, je ne l'ai pas, mais bon, je peux mettre à jour. Pour payer plus cher, c'est pas la peine. Là, ici, vous avez titre diffusé. Voilà. Donc, vous pouvez prendre ce lien ici, là. Il est injecté sur votre site et ça vous marquera en défilé le titre qui défile sur votre radio. Là, vous avez les top hits. Là, vous avez les musiques en cours et l'artiste diffusé. Voilà. Après, vous avez applications et sites. Là, vous pouvez créer une application, tester gratuitement, parce que bon, personnellement, j'ai pas l'option, donc il faut prendre l'option pro, voilà. Mais je crois qu'on peut le faire quand même, voilà, parce que j'avais testé, je crois que ça fonctionnait. Et là, vous pouvez aussi créer un site web, voilà. Vous pouvez le tester gratuitement et après payer. Évidemment, il vous offre le nom de domaine et puis c'est à vous de le créer. Et ça se fait automatiquement. Il faut pas avoir le bac plus 5
pour créer un site internet, c'est très facile à faire. Voilà. Ici, dans les paramètres, vous avez votre radio. Voilà. Donc, vous pouvez recevoir les rapports hebdomadaires. Donc, vous pouvez l'activer ici. Voilà. Donc là, vous avez le site web que vous pouvez mettre. J'avais créé un site web, c'est pas peine de y aller parce que j'ai supprimé. Donc si vous voulez créer un site web, au lieu de l'acheter, vous pouvez le faire gratuitement avec Wix. C'est totalement gratuit. Voilà. Ici, vous mettez les tags pour être référencé. Là, vous avez la visibilité. Donc vous pouvez mettre une bannière. Donc vous avez les dimensions qui sont ici. Là, vous pouvez apparaître dans l'annuaire orange et apparaître dans l'annuaire red line. Parce que si vous désactivez ça, vous ne serez pas visible sur le site pour qu'on puisse écouter votre radio, en fait. Voilà, donc ça, il faut l'activer. Là, vous avez les métadonnées. Voilà, donc vous pouvez totalement l'activer aussi. Là, vous avez les flux. Voilà, donc il faut faire très attention, hein. Vous avez le triangle. Ici, vous avez le social. Donc, vous pouvez connecter le manager à Twitter ou à Facebook. Voilà. Et là, vous avez sécurité, géoprotection. Vous pouvez totalement aussi l'activer. Et vous avez les IPS bannis. Personnellement, je m'en suis jamais perdu. Oui, si vous avez des IP un peu bizarres, vous pouvez totalement l'ajouter ici pour le bannir et la personne ne pourra plus aller sur votre radio. Voilà. Une fois que c'est fait, sachez que pour mettre les musiques dessus, c'est facile en fait, hein. Vous allez dans Mediatek, vous prenez une musique dans votre dossier ici là, vous restez cliqué sur le clic gauche de votre souris et vous l'injectez ici et vous verrez une barre là qui va défiler, hop, et une fois que ça sera mis en place, vous le mettez dessus. Sachez que moi, c'est des musiques qui durent quand même, c'est carrément des musiques assez longues, hein, 1h07, 56 minutes, hein, 1h, 50 minutes, 1h, voilà. Donc vous pouvez en mettre tant que vous avez de l'espace, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai mis ça, avec ça, je vous garantis que vous en avez largement suffisant, en sachant que par la suite, vous pouvez mettre des pubs. En plus, bon, si vous faites des reportages et des choses comme ça, voilà. Donc voilà. Après, pour écouter votre radio. Vous pouvez pré-écouter ici, voilà, ou bien vous pouvez aller ici, vous tapez Radio King, voilà, donc il est ici en haut, voilà, vous avez site radio, voilà, là vous avez mon pseudo ici, je clique ici, je vais dans profil, voilà, et là j'ai ma radio qui est ici. Je clique dessus et j'ai ma radio qui s'affiche là. Voilà, donc c'est à vous après de le partager à vos amis ou bien de leur filer carrément le lien, le lien cliquable, hein, pour qu'ils puissent avoir le bouton, vous savez, directement sur leur bureau. Voilà, donc après, bon, c'est à vous de le paramétrer, de mettre, voilà, radio, machin, patiti patata. Après, bon, les personnes peuvent mettre des commentaires, vous pouvez les supprimer, voilà. Et après, pour écouter la radio, il suffit de cliquer dessus. Voilà, je sais pas si vous l'entendez. Voilà. Donc, sachez que sachez que une fois que votre radio est en ligne, et bien vous voyez qu'on y réactualise, c'est pas parce qu'on n'entend pas la radio que la musique passe pas. Une fois que vous avez activé votre radio, une fois que vous avez mis en ligne, votre radio tourne. En fait, les personnes qui vont aller sur Radio King par exemple, écoutez. Voilà, donc là il y a des centaines et des centaines de radios. C'est à vous de faire le maximum, de faire une bonne radio. Parce que sachez que vous avez, je sais pas si on va le voir sur Radio King. On va voir ici, tableau de bord. Voilà, vous voyez ici là, je suis au 600,
75e au classement. Au départ, lorsque j'ai commencé, j'étais à plus de 3000, je crois. Donc sachez que lorsque vous passez de la très bonne musique et que ça intéresse les gens, bah, les gens ils cliquent hein, pour écouter, et puis automatiquement, vous finirez dans les premiers peut-être. Et lorsque vous arrivez dans les premiers, automatiquement, vous allez faire énormément d'auditeurs. Et donc automatiquement, par la suite, si vous avez un site internet, vous pouvez totalement mettre de la pub et qui vous permettra de percevoir un petit revenu ou peut-être gros revenu, qui sait. Mais dans tous les cas, y a tout est à faire dessus, tout est possible. Là, vous avez les tops ici là. Le premier, c'est celui-ci là. Voilà. Plus de 2000 titres, nouveautés classiques. Voilà. Après, bon, ce qui marche beaucoup, c'est les années 80, les musiques de Tahiti, des choses comme ça. Le reggae aussi, ça fonctionne bien. Mais les années 80, ça fonctionne bien. Il suffit simplement que vous mettiez des mix des années 80, un peu USA, vous savez, puis ça marche super bien. Voilà. Donc, sachez que pour écouter la radio, c'est pas compliqué. Vous allez dans votre profil, vous cliquez ici. Voilà. Mais sachez que votre radio est écoutable sur téléphone, sur ordinateur, partout en fait. Voilà. J'ai fait ça à l'arrache. Si vous avez des questions, si vous êtes intéressé pour faire cette radio, faites-le. Si vous êtes intéressé, vous payez avec PayPal, hein, c'est sécurisé, donc il n'y a pas de souci. Tous les mois, ça sera prélevé. Et puis, lorsque vous voulez supprimer votre radio, il suffit simplement de faire une annulation. Et vous allez sur votre compte PayPal et vous arrêtez les prélèvements automatiques, parce qu'autrement, automatiquement, tous les mois, ils vont prélever, hein. Donc vous faites un annulement et puis voilà, donc ça se fait tout seul. Voilà. Après, moi personnellement, si j'arrête, c'est pas parce que j'en ai marre de le faire, c'est que je n'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps de le faire. Et puis voilà, et puis du coup, je vais laisser couler parce que je crois que cette radio-là s'arrête le 5. Donc je vais le laisser partir tranquille. Donc par la suite, il sera plus visible et voilà, donc tout sera supprimé. Sachez que dans le manager, lorsque vous injectez des musiques dessus et que vous supprimez vos musiques sur votre ordinateur, à tout moment vous pouvez les retélécharger. Voilà, il suffit de cliquer dessus là, ce petit bouton là, voilà, et vous pouvez les mettre où vous voulez. Récupérer toutes vos musiques que vous avez injectées dessus. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, parce qu'il est quand même 2 heures passées du matin. Et je vous dis à très bientôt. Les questions sans commentaire. Allez, bye bye.